Une demeure mystérieuse. On est chez qui ici ? Une nouvelle demeure pour des esclaves. On sait pas. Esclaves d'un seigneur enfant menacé. Des enfants esclaves prisonniers entre quatre murs. Elle va mourir ! Des murs qui pleurent. Nous ne sommes pas seuls. C'est la chanson de tes larmes. Entends-tu le vent qui l'accompagne et soudain te montre du doigt. Connais-tu ceux qui partent un matin sans jamais regarder derrière. Comprends-tu que c'est dans ce terrain que tu connais ta propre guerre. Sens-tu cette fierté guerrière, l'épée de lumière à la main. Pardonnes-tu au royaume de voisins qui s'incline sous ta lumière. J'en suis le gardien. Le gardien. Le gardien. Le gardien. Le gardien. Le gardien. Ressens-tu qui est là? Le gardien. Allons maintenant. Comment ça va, Isabeau? J'ai toujours mal à mon bras. Je me sens inutile de par ma normalité. Tu es une fille, Isabeau. Et d'après le Seigneur Adrien, les filles sont des servantes et non pas des archères. Puis tu sais, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Mais si je n'avais pas su tirer à l'arc, on n'aurait pas pu arrêter HK avec Vanille. Allez, Annabelle et Dodo, on y va. Mais tu aurais trouvé une autre solution. On ne peut pas changer l'histoire. Une arme, c'est dangereux. Changer l'histoire? Mais peut-être que nous l'avons changé, l'histoire. Vanille a vécu cette fameuse journée une autre fois avant. La même journée, mais où nous n'intervenons pas, où nous ne tirons pas à l'arc pour arrêter Annabelle et HK. Une journée où HK tue le Seigneur Adrien et où toi tu meurs. Une journée qui vient d'une autre histoire, puisque l'histoire nous l'avons probablement changée. Quelle ironie pour des enfants esclaves qui ne savent pas lire, d'avoir pu réécrire l'histoire. Tout ça n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens, c'est d'ignorer que mon bras me fait mal. Et que je me sente désarmée. Elle était là, je l'ai vue, je l'ai vue. Elle appelle à l'aide, vous me croyez? N'est-ce pas, vous me croyez? Mais bien sûr, on te croit. C'est clair, merci. Moi, je sens rien. Lys, calme-toi, explique-nous ce que tu as vu. Mais je l'ai vu, enfin, elle est là, elle appelle au secours. Elle a raison, il y avait quelque chose ici. Mais c'est en train de partir. Il y avait quelque chose, c'est en train de partir. On peut peut-être revenir en arrière, au moment où c'était encore là. Voilà, tu vas repenser à ce que tu faisais à ce moment-là.
et tu vas retourner dans le temps à ce moment-là. Repense à ce que tu ressentais et retourne-y. Ça marche. Elle arrive. Elle arrive? Qui ça? Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Elle va mourir. Qui es-tu? Où es-tu? Tu es dans les murs? Aidez-moi. Aidez-moi, elle va mourir. Elle va mourir? Qui ça? Elle va mourir. Elle va mourir. Mais qui ça? Les gardiens du royaume. Où sont les gardiens du royaume? Les gardiens du royaume? Oh non, là, ça craint. Pourquoi veux-tu les gardiens du royaume? Aidez-moi, elle va mourir. Êtes-vous les gardiens du royaume? Les gardiens du royaume sont... Ici. Nous sommes les gardiens du royaume. Elle va mourir. Elle crache de la terre. De la terre? Oh non, ça recommence. Où es-tu? Nous sommes au village de Cirence. Au village de Cirence? Comment pouvons-nous t'aider? Elle crache de la terre depuis 3 jours. Aidez-nous! Oh non, on est en train de la perdre. Non! Aidez-nous! Lys, reste! Elle va mourir! Cette fille appelait au secours. On lui a dit qu'on était les gardiens du royaume. Charmante idée. On n'aurait pas pu faire autrement. Elle nous aurait pas répondu. Pourquoi voulait-elle les gardiens du royaume? Mais les gardiens du royaume, ils sont morts du coup ou pas? Certains, oui. Maintenant, on ne sait pas tout. Peut-être qu'il y en a encore d'autres. Et Cunégonde, c'est un gardien du royaume. On pourrait l'envoyer, elle? Pour l'instant, Cunégonde est partie. Elle ne se sentait pas à sa place avec nous. Je la comprends. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ce village. Pourquoi nous? De toute façon, on n'est pas obligé d'y aller. Et de toute façon, moi, je peux pas venir avec vous. Le seigneur Adrien a besoin de moi. Le seigneur Adrien, il est gentil. Mais là, il est bizarre en ce moment. Il est moins gentil. Oui, Charlie, voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'on n'a toujours pas répondu à cette question. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, si on veut y aller, on y va. On va au village de Cirence. Mais moi, je parlais pas de ça et vous le savez très bien. On pourrait partir. On pourrait laisser le seigneur Adrien, puisque c'est pas lui, mais... Oui, et bon, maintenant il va faire froid. Et pour trouver à manger l'hiver, on va faire comment? C'est ça. Quand on est un enfant esclave, on doit être esclave de quelqu'un. Sinon, on meurt. Mais du coup, on fait quoi? Si vraiment ça vous pose un problème, je peux vous aider. Il me serait facile de trouver quelqu'un à qui vous vendre. Comme ça, vous serez débarrassé de moi, et moi de vous. Enfant esclave. C'est par là. Il faut y aller. C'est bon, je les connais. Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je pense que je suis là pour la même chose que vous. Elle crache de la terre. Elle est là. Qu'est-ce que vous faites là, les gamins? C'est bon, je les connais. Nous sommes les gardiens du royaume. Comment ça, les gardiens du royaume? Montrez-nous la malade. Restez ici, on est avec Marinette, Bon, bah nous on est venus pour rien du coup. Quitte à être inutile, autant l'être jusqu'au bout.
Mais vous vous rendez compte que Charlie, il y allait quand même, et pas nous. Ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider. Oui, enfin, on va essayer. T'inquiète pas, je m'appelle Shirley, et avec moi, ça va aller tout de suite mieux. Ouais, mais laisse-moi passer, on va y faire. Eh ben moi, je vais me mettre là. Shirley, mais c'est pas un prénom. Mais t'inquiète pas, où est-ce que tu as mal? Docteur Shirley. Oui. Je vais pas... Ah ah, je suis désolée, docteur. Bon, les filles, faut nettoyer. Oh.